nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jonas au chapitre 4. Jonas chapitre 4. Alors, je pourrais peut-être ajouter d'autres versets tout à l'heure, mais je me limite à lire ces deux versets, 1 et 2, Jonas, chapitre 4, versets 1 et 2. Cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. De ce passage, nous retenons comme sujet aujourd'hui les dieux de la seconde chance. Les dieux de la seconde chance. Ceux qui ont suivi le message de vendredi soir, vous vous souviendrez que je n'ai pas pu me détacher de cette pensée qui a dominé l'exhortation de vendredi soir. Je suis resté prisonnier et je voudrais me libérer de ce fardeau. Il y a des moments où Dieu parle de cette manière-là. Il te garde dans un sujet et il ne te libère pas jusqu'à ce que tu aies terminé la mission. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es ce que tu es et nous contemplons ta véritable nature et nous découvrons avec certitude en utilisant le langage de notre époque que tu es un Dieu qui donne une seconde chance. Nous voulons te prier maintenant que tu viennes manifester ta grâce au plus grand nombre. Fais-le maintenant parce que nous croyons que ton esprit est à l'œuvre. Au nom de Jésus, amen. De toutes les secondes chances dont parle la Bible, l'expérience de Jonas me semble la plus frappante. Nous le savons, nous l'avons étudié, le refus d'aller en mission à Ninive, il refuse, il prend la route opposée, nous avons vu qu'il a pris la route la plus longue, et le verdict du tirage au sort qui tombe sur lui, le vent qui souffle sur les bateaux, et pour finir, comme nous l'avons étudié et nous le savons, il est jeté dans l'océan. Il est jeté dans l'eau. Il n'y a aucun espoir. On ne peut pas être jeté dans l'océan et survivre. Donc, quand tu es dans une situation où tous ceux qui ont été jetés dans l'océan sont morts, tu n'as aucune chance de croire que toi tu survivras. Donc il est entré dans l'océan avec la certitude qu'il partait pour toujours. Et aussi sans oublier son séjour dans le ventre d'un poisson. Les techniciens, les spécialistes de poissons pourront tergiverser comme ils veulent, mais un jour, quand ils se poseront la question, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à notre Dieu, là, ils trouveront la réponse que tout est possible à notre Dieu. Si Dieu décide, vous savez qu'un jour, pendant que le Seigneur Jésus était en train de discuter avec Pierre, le jour où il disait à Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis, eh bien, pendant cette discussion, Pierre a posé la question à Jésus. Qu'est-ce qui va arriver à celui-là qui passe? Il faisait allusion à Jean. Et
Jésus de lui dire une chose rare. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que cela voulait dire? N'est-ce pas? Si je veux qu'il vive, nous sommes au premier siècle. S'il veut qu'il vive 1000 ans, mais nous sommes maintenant à 2000 ans. Si je veux qu'il vive en 2000 ans, que t'importe. Je vais vous dire une chose. Si Jésus l'a dit, c'est parce qu'il sait que cela peut arriver. Amen. Et c'est comme ça que notre Dieu est. Et donc, quand la science ne nous aurait pas rejoints, parce que depuis, comme vous le savez, ou certains le savent, la science nous a rejoints, qu'il existe certains poissons qui peuvent, dans lesquels on peut avoir un être vivant à l'intérieur du ventre. Hein? Et ceux qui ne réfléchissent pas pour s'imaginer que cela est possible, n'ont qu'à poser des questions à nos sœurs. Qu'il y a des enfants qui vivent dans leur ventre et qui bougent, et qui bougent, et qui bougent. Au fait, tout est possible à notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est un cas spécial. Pour certains biblistes, il s'agit, cette histoire de Jonas, comme ils ne croient pas que c'est possible de rester vivant dans le ventre d'un poisson, alors ils ont une autre explication. Ils disent, non, c'est simplement une illustration des défaites, les défaites militaires, l'incapacité d'Israël d'affronter les armées des grandes nations comme la Syrie, comme Babylone, et ainsi de suite. Donc, ça illustre que l'Israël faible est comme un homme qui tombe dans le ventre d'un poisson par rapport aux autres qui sont plus puissants sur le plan militaire. Mais, curieusement, contrairement à cette pensée, nous le savons que le Seigneur Jésus, d'ailleurs, c'est le jour où, parce que ça faisait partie de mes débats avec mes professeurs qui croyaient à autre chose que moi, quand ils ont fini d'expliquer ce qu'ils voulaient expliquer, alors j'ai dit, mais le Seigneur Jésus n'a pas pensé comme ça, puisqu'il a parlé de ça. Il a dit, je ne donnerai pas un autre signe à cette génération perverse, si ce n'est celui de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il faisait allusion à sa mort. Hein? Il allait rester 3 jours dans la mort pour le 3e jour ressusciter. Hein? C'est là que ça montre ouvertement que Jonas... Là, j'utilise un terme, c'est un type de Christ, qui veut dire que dans l'histoire de Jonas, on voit des similitudes, des choses qui nous rappellent ce que Jésus a vécu. Entre autres, le fait que Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Autour de ça, nous nous retrouvons en face d'un Dieu de la seconde chance. Et pour vraiment étoffer cette pensée, j'ai retenu 4 choses que je voudrais partager avec vous. La première chose, les tempêtes avant la seconde chance. Quand nous lisons la Bible, nous découvrirons que la grande majorité des moments où les gens ont perdu leur chance, je dirais leur première chance, eh bien, le plus souvent, c'était pendant des tempêtes. Donc, les tempêtes sont dangereuses. Les tempêtes sont dangereuses. Dieu permet les tempêtes, mais les tempêtes sont dangereuses. Ce sont des occasions où les hommes et les femmes que nous sommes deviennent fragiles. Quand tu passes par des tempêtes, on a parlé de désert. Quand tu passes par le désert, tu dois être prudent parce que ce sont des occasions où tu deviens fragile. Et comme tu es fragile, qui va s'approcher de toi? L'ennemi. L'ennemi voudrait profiter de cette occasion de fragilité parce que Satan s'intéresse aux tempêtes des vies des enfants de Dieu surtout.
car c'est pour lui l'occasion de les détruire. Jean 10, 10. L'ennemi, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est un temps d'une grande ou extrême fragilité. C'est un temps difficile que le temps de tempête. Par conséquent, ne jamais perdre courage lorsqu'on passe par des tempêtes. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce sont des tempêtes, les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous devons donc être prudents quand nous passons par des tribulations, sinon on périt. Les tribulations mal abordées font périr. Et le seul moyen de résister, mes frères et sœurs, quand tu passes par des tribulations, c'est la foi. Pourquoi ? Parce que dans les tribulations, tu ne contrôles pas la situation. Quand tu es dans une tempête, tu perds tous les moyens. Tous les points d'appui sont perdus. C'est un peu comme ce que Paul a vécu dans le bateau. La Bible nous dit qu'à un moment donné, on a perdu, le gouvernail ne fonctionnait plus. Le voile était cassé. Tout était détruit. Donc, on était au gré du vent. C'est ça, la situation de la tribulation. On est au gré du vent. Tu ne contrôles rien. Plus rien ne dépend de toi. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il te reste? C'est un gouvernail invisible qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, Dieu va me sortir de là. Dieu va me protéger. Dieu va me délivrer. Dieu va intervenir. Dieu a un agenda. Alléluia. C'est de cette manière-là que les choses avancent. C'est la foi au secours de l'Éternel. Dans Psaume 46, le verset 1, la Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu est pour nous un refuge et un appui et quelqu'un qui intervient quand nous passons par des détresses. Dans les tempêtes, donc, beaucoup de choses mauvaises sont arrivées parmi les hommes. Par des tempêtes, des civilisations ont disparu. Par des tempêtes, des pays même ont disparu. Quand nous sommes venus dans ce pays, nous étions invités à aller chanter dans un pays de l'Europe de l'Est qu'on appelait Yougoslavie. Et pendant que nous étions en train de faire les démarches pour avoir les visas et partir là-bas, la guerre a éclaté là-bas. Nous ne sommes plus jamais arrivés là-bas. Et comme vous le savez, le nom Yougoslavie ne veut plus rien dire aujourd'hui. Le pays a disparu. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point les tempêtes de la vie sont capables de désastres. Des familles ont disparu à cause des tempêtes. Donc, les tempêtes sont des temps très dangereux et très difficiles. Alors, pourquoi c'est dangereux? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que le seul moyen de résister à une tempête, c'est la foi. Et quand tu n'as pas la foi, tu ne résisteras pas. L'ennemi va s'occuper de toi, va te maltraiter, va t'achever sans que jamais rien ne puisse intervenir. Parce que Satan, n'est-ce pas, et même tes autres ennemis sont là pour t'achever quand tu passes par les tempêtes. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié chez les ennemis. Pour les ennemis, quand ils passent par des tempêtes, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ils célèbrent leur Dieu méchant. Même quand ils appellent l'Éternel des armées, mais tout le monde sait que ce Dieu-là qui doit se réjouir des tempêtes des hommes n'est pas le Dieu d'Israël. C'est l'autre-là, qui lui aussi est un Dieu et qui peut être servi par ceux qui croient en lui ou qui ne croient pas en lui, mais quand même qui travaillent à ses œuvres.
à l'accomplissement de ses différentes œuvres. Donc, quand on passe par des tempêtes, je le répète, les solutions ne dépendent plus de nous. Il n'y a plus que Dieu pour intervenir. Ça, c'est la première chose concernant les tempêtes. La deuxième chose, notez, les prières qui préparent la seconde chance. Les prières qui préparent la seconde chance. Nous prions tous quand on passe par des temps difficiles. Même celui qui ne croit pas prie. Mais en lisant la parole, nous découvrons des prières qui préparent des victoires, qui préparent le passage d'une tempête à la seconde chance. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu dit, mon juste vivra de sa foi. Je dirais même, mon juste survivra de sa foi. C'est la foi donc qui te permet d'avancer. Le chapitre 2 de Jonas. Le chapitre 2 de Jonas est une prière. Tous les chapitres, c'est une prière. Et je voudrais que nous puissions jeter un petit coup d'œil sur ce deuxième chapitre. Jonas dans le ventre du poisson. C'est le premier verset. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. C'est une prière. Cela ne fait aucun doute. C'est une prière. Et c'est là où Jonas devient un professeur pour nous enseigner comment, par la prière, préparer le temps nouveau, préparer la seconde chance. Nul doute, cette prière, donc, prépare la seconde chance de Jonas. Et on trouve deux caractéristiques, notez deux caractéristiques marquantes de cette prière. La première chose qui frappe dans cette prière, c'est que Jonas a prié avec précision et avec discernement. C'est-à-dire, il est revenu sur les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé dans les tempêtes, il s'est retrouvé dans l'océan, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il est revenu sur ces choses. Il a prié avec précision. Il a prié avec discernement. Il a prié, il a parlé à Dieu en lui rappelant ses paroles. C'est l'un des endroits où on découvre un serviteur de Dieu qui connaissait très bien la Bible. Je vous informe. Vous pouvez prendre du temps, ça c'est un peu minutieux et je ne vais pas envelopper mon texte de trop de détails, mais je peux vous dire avec certitude que dans le chapitre 2 de Jonas, Jonas a fait 8 citations d'autres textes bibliques. Dans une prière, c'est une prière qui aurait pu prendre moins de 5 minutes. Quand vous lisez Jonas chapitre 2 d'un trait, c'est plus ou moins 5 minutes. Pendant les 5 minutes, il a cité 8 fois Dieu. 8 fois la parole de Dieu. Cela montre jusqu'à quel point est la place de la parole de Dieu dans une prière de sortie des tempêtes. Il faut rappeler à Dieu ses promesses. Rappeler à Dieu ses prophéties. Rappeler à Dieu ses volontés exprimées dans sa parole. Rappeler à Dieu d'autres qui étaient passés de la Bible, qui étaient passés par des circonstances de ce genre. Comme par exemple, lorsque Israël était en face de la mer Rouge, tu ne l'as pas abandonné. Lorsque l'armée de Pharaon est venue, il a placé le feu. Quand ils étaient dans le désert, qu'il n'y avait rien à manger, il a donné, ainsi de suite. Donc, il a rappelé à l'Éternel ses promesses pour montrer qu'il comptait sur lui. Ça, c'est la première caractéristique de la prière de Jonas. Donc, il prie avec précision et des paroles qu'il répétait à l'Éternel. Deuxième caractéristique de la prière de Jonas, c'est qu'il a prié avec passion. Prier avec passion veut dire prier avec émotion.
La Bible dit, j'ai crié à Dieu, le verset 2. J'ai crié, Jonas a crié. Mes frères et sœurs, n'hésite pas de crier à ton Dieu. Quand tu passes par des tempêtes, quand tu passes par des situations difficiles, crie à ton Dieu. Pousse des cris, pas seulement de joie, mais aussi des cris de dépendance, des cris de secours. Viens à mon secours. Ne m'abandonne pas. Il n'y a que toi qui peux changer ma situation. Et ainsi de suite. Donc, Jonas a crié à l'Éternel. Dans la version courante, on dit, j'ai crié à l'Éternel dans ma grande détresse. Et il m'a répondu. Je t'ai appelé, c'est toujours Jonas qui parle dans une version courante. Je t'ai appelé du pays des morts. Et l'Éternel, tu m'as entendu. Je t'ai appelé à me situer dans le pays des morts. Mais où était le pays des morts? Mais le ventre du poisson, mes frères et sœurs. Le ventre du poisson, c'est un pays des morts. C'est un lieu pour la mort, ce n'est pas un lieu pour la vie. Ce n'est pas un lieu pour se réjouir. Ce n'est pas un lieu pour fêter. Le ventre du poisson, c'est un lieu de mort. Eh bien, j'ai crié et j'étais appelé du saint, n'est-ce pas, du pays des morts. La passion est un secours, hein, n'est-ce pas, pendant le temps de détresse. C'est une forme de lamentation, une forme d'émotion. Dans le psaume 34, verset 6, la Bible dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Crier à l'Éternel. Peut-être que tu passes, vous savez, un des dangers qu'il y a souvent, lorsque nous passons par des détresses, c'est de raisonner sur les détresses. C'est de raisonner sur les détresses au lieu de crier à l'Éternel. C'est de raisonner aux détresses. Récemment, j'ai observé une démonstration qu'on faisait concernant la perte d'équilibre. Hein, qui ressemble un peu au vertige. Eh bien, on dit ceci, quand tu passes par un objet ou une surface qui te fait voir très loin, comme par exemple sur un miroir, il n'y a pas beaucoup ce genre de choses ici en Europe, mais en Chine, on aime bien s'amuser avec ce genre de choses. Il y a un pont, mais un pont à verre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Un pont en verre. Ce pont, quand vous passez, il vous fait voir tout ce qu'il y a là-bas en dessous de 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres en dessous. Et il y a des gens qui sont totalement incapables de traverser une telle surface. Parce que quand ils regardent, ils pensent que le verre va se casser et ils vont tomber. Alors, le scientifique expliquait que, au fait, cette image qui fait peur, c'est parce que on est sur une surface qui est appuyée sur le sol. Quand la surface est appuyée sur le sol, ça produit un effet de vertige. Mais par contre, si la surface n'est pas appuyée sur le sol, mais crée son propre sol, au-dessus comme un avion, alors en ce moment-là, on perd cet effet. C'est ce qui explique, par exemple, que tu es dans l'avion, tu te trouves à des milliers de mètres au-dessus, mais tu n'es pas en train de vomir. C'est comme si c'est stable. C'est seulement quand il y a des perturbations au niveau de l'atmosphère que vous pouvez ressentir quelque chose. Eh bien, notre Dieu est un Dieu qui ne nous laisse pas tomber. Nous crions à l'Éternel pour qu'il puisse intervenir. Ne garde pas, ne regarde pas à tes tempêtes. Si tu regardes à tes tempêtes, tu auras des vertiges. Tu vas te décourager. Tu auras peur. Parce que les tempêtes, nous l'avons vu par définition, tu ne contrôles pas la situation. Et comme tu ne contrôles pas la situation, donc tu as peur. Chaque fois, vous savez que
une des dimensions qu'on découvre chez les personnes qui souffrent un peu de troubles, c'est que quand ils sont en face de situations qu'ils ne contrôlent pas, ils piquent des crises. Parce que leur corps, leur mental est incapable de contrôler la situation. À cause de cela, ils sont malheureux. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que notre Dieu ne nous laisse jamais tomber. La Bible dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et quand tu sais cela, tu le gardes sur toi et garde fermement. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai voulu noter. Les prières, n'est-ce pas, des cris, des prières, mais aussi des prières appuyées sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, pour préparer la deuxième ou la seconde chance. La troisième chose que je note, c'est que la seconde chance est aussi pour les autres. C'est important de comprendre cela. Vous savez, c'est une éducation d'enfant. Ça, c'est une leçon. Ce point-là, principalement, c'est une leçon de Codime. Mais malheureusement, les adultes en Christ ont besoin de ça. À cause de notre faille. Hein, que la seconde chance, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Amen. Dieu a aussi la seconde chance pour... Maintenant, je vais ajouter. Dieu a aussi la seconde chance pour les gens que nous n'aimons pas. Amen. Donc, quand tu es en face de quelqu'un que tu n'aimes pas, et que tu as besoin de la seconde chance de Dieu, et que Dieu te la donne, dis-toi, tu m'as donné la seconde chance, mais je sais que tu vas aussi donner la seconde chance à celui-là ou celle-là que je n'aime pas, avec qui j'ai eu des problèmes, mais Dieu a aussi la seconde chance pour eux. Amen. Ça, Jonas avait besoin de réaliser cela. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions le lire, mais au fait, que s'est-il passé? Jonas était hors du danger. Il était donc dans sa mission. Hein, la seconde chance était là. Il va à Ninive. Il va marcher dans la ville de Ninive pendant 3 jours pour proclamer dans 40 jours la ville est détruite. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis le départ, Dieu lui avait expliqué que va avertir Ninive pour que Ninive ait la bonne réaction afin que le jugement ne tombe plus sur eux. Mais quand Jonas obéit pour aller marcher dans Ninive pendant 3 jours, lui, il s'attend quand même, donc dans son cœur, que quand j'aurai fini mon travail pendant 3 jours, dans 40 jours, Ninive sera détruite de toutes les manières. Donc, Jonas ne prévoit pas le salut de Ninive. Alors que sa mission que Dieu lui donne, c'est une mission du salut de Ninive. Et c'est là où se trouve souvent le problème de l'inimitié. Quand tu as un problème, quand tu as un manque d'amour pour quelqu'un, tu perds la mission. Tu perds la boussole. Tu commenceras à voir en lui un sorcier, une sorcière. Tu commenceras à voir en lui quelqu'un que Dieu a damné, que Dieu a jugé. Et ainsi de suite. Et ça peut sembler, vous savez qu'il y a des gens, vous avez la bonne mémoire, hein, vous savez qu'il y a des gens qui sillonnent et qui publient des choses affreuses sur les autres, oubliant que notre Dieu est un Dieu de la seconde chance aussi pour les autres. Aussi pour les autres. Il était donc content, comblé de bénéficier de la seconde chance, mais il ne voulait pas que Dieu accorde la même seconde chance aux habitants de Ninive. La bonne seconde chance aux autres. Il ne voulait pas. Alors pour cela, je vais lire un peu avec vous. Ça sera un peu une longue lecture, mais ne vous en faites pas, je vais aller assez vite. Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Le verset 8. Donc le roi réagit. La
D'abord, nous commençons par Jonas, au verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Ou plutôt, le roi qui réagit déjà. Après que Jonas a fini de marcher dans Ninive, alors le roi fait cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. C'est la première fois que même les chiens, les chats, les animaux, les cochons ont été obligés de jeûner. Oui, donc vraiment c'est incroyable. Alors verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Notez le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne les fit pas. Maintenant que nous avons fini de lire le verset 3, et chapitre 3, nous allons au chapitre 4, le passage que nous avons lu. Cela déplut fort à Jonas, vous comprenez maintenant l'histoire. Cela déplut parce que Dieu est revenu de son ardente colère, parce que Dieu a décidé de ne plus punir ce peuple, eh bien cela déplut fort à Jonas. Quelle sorte de serviteur? Vous savez, aujourd'hui, on peut parler de jonasisme. Il existe des jonasismes, du jonasisme aujourd'hui. C'est-à-dire, on veut la bénédiction pour moi, mais pas pour les autres. On accepte que Dieu me pardonne moi, mais pas les autres. Les autres doivent périr. Les autres doivent payer. Les autres doivent souffrir. Mais moi, ça va. On appelle ça, enfin j'appelle ça, jonasisme. Hein? Jonasisme. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Si c'était que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche. » C'est la première fois que je vois quelqu'un, un homme, un être humain qui ne veut pas de ce Dieu-là, qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Jonas ne veut pas de cette sorte de Dieu. Vous savez que les jonasistes, ce sont des gens qui ont un Dieu qui est sans pitié, qui frappe leurs ennemis matin, midi et soir, qui détruit tous ceux qui ne sont pas en leur faveur. C'est ces gens. Il y a beaucoup de jonasistes dans mon pays au Congo. Je les vois sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jonasistes. Ils sont sans pitié, ils se massacrent. Je n'ai jamais vu un peuple qui s'auto-massacre comme eux. J'ai essayé de regarder les Camerounais, ils ne se massacrent pas comme ça. J'ai essayé de regarder les Gabonais, ils ne se massacrent pas comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai regardé les Belges, ils ne se massacrent pas dans les réseaux sociaux. Ou les Français, à part dans les domaines politiques. Et dans les domaines politiques, c'est des idées, pas des coups, pas des destructions. C'est plutôt en Amérique, parmi les Noirs américains, qu'on trouve ce genre de trucs. Mais au Congo, c'est plus encore, les jonasistes. Et voyez la conclusion à laquelle il arrive, verset 3. Maintenant, Éternel, rends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous pouvez vous imaginer que, au fait, comme tu ne punis pas mes ennemis, alors que je meurs, prends ma vie. Il a échappé à la vie, il était dans le ventre d'un poisson. Dieu l'a fait sortir de là. Mais non, ça ne suffit pas. Il aurait voulu assouvir sa vengeance, assouvir la souffrance de l'autre.
Donc, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que la seconde chance est aussi pour les autres. Seconde chance pour lui, Jonas, oui, mais pas pour les Ninivites. Alors là, nous disons non, aussi pour les autres. Aussi pour les autres. Pas sop. Aussi pour les autres. Le verset 10 dit, et l'Éternel dit, qui a pitié du ressin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Moi, je ne dois pas... Vous savez comment Dieu délivre Jonas du jonasisme? Au fait, il lui a fait parce qu'il faisait très chaud. Et personne ne pouvait l'accueillir dans sa maison parce que le message qu'il a apporté, c'était un message de condamnation. Donc, personne ne pouvait lui manifester. Ah, mais monsieur le prophète, tu as vraiment chaud, viens boire chez nous. Non, personne, parce qu'ils ont dit, monsieur le prophète, là, il nous veut quoi? Et donc, et alors, Dieu lui vient encore en aide. Il était gâté, ce monsieur. Dieu lui vient en aide et il fait pousser en un instant une sorte de petite plante qui fait sortir ses feuilles en sorte qu'il y a de l'ombre. Et il était tout content. Il était tout content. La vie peut continuer. Maintenant que tu as fait pousser cette plante, la vie peut continuer. Et puis, la Bible dit, Dieu a envoyé un ver. Donc le ver quoi. Le ver pour ronger la petite plante. En sorte que quand il y avait le grand soleil, la plante a péri. Il se fâche. Comment tu as détruit la plante qui m'aidait à me protéger du soleil? Tu es sans pitié. Comment tu peux détruire une plante qui ne t'a rien fait? C'est pourquoi Dieu lui dit, mais toi tu te préoccupes du ricin, de la plante, qui ne t'a coûté aucune peine. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton jardin. Ce n'est pas toi qui a... Donc, ce n'est pas toi qui a semé ça, qui a planté ça. Et tu te soucies de la plante. Mais tu ne te soucies pas des 120 000 habitants qu'il y a dans la ville de Ninive. Tu ne te soucies pas de... Vous savez, c'est pourquoi certaines philosophies telles que l'écologisme et tout ça, il faut toujours se poser la question si on aime, on met l'homme au-dessus. Vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à tirer sur toi. C'est la raison pour laquelle vous verrez souvent ceux qui font la pêche. Quand la caméra est ouverte, quand ils attrapent un poisson, ils le remettent dans l'eau. Quand on éteint la caméra, alors on pêche ce qu'on va amener à la maison. Parce qu'il y a des écologistes, si tu prends le poisson, tu lui prives de l'oxygène, ils te rencontrent sur le chemin, ils peuvent te tuer. Et tu as donné la mort au poisson, toi aussi tu dois périr. Au fait, ils se soucient des poissons, mais il ne se soucie pas des êtres humains. C'est ça le problème de Jonas. Et que Dieu dénonce justement dans cette situation. Quand nous arrivons là, alors cela me permet d'atterrir sur un dernier point qui me semble, en tout cas quelque part, le plus important dans cette exhortation, qui va au-delà de ce que nous avons partagé le vendredi. Ne pas gaspiller tes secondes chances. Ne pas gaspiller tes secondes chances. S'il vous plaît. Quand Dieu te donne une seconde chance, ne blague pas. Nous avons vu Jonas, on peut vraiment dire qu'il n'a pas bien géré sa seconde chance. Il se fâche, il a des problèmes, il est sans pitié. Après la seconde chance, en règle générale, quand tu passes par des temps très difficiles, tu devrais avoir un cœur nouveau. Vous savez que Dieu a dit à Israël, vous avez été étrangers. Il voulait dire, vous avez été esclaves. Et parce que vous avez été esclaves,
Eh bien, dans la suite du temps, il faut que vous soyez caractérisé par la miséricorde. Parce que maintenant, vous savez que quand vous étiez esclave, vous aviez besoin qu'on vous manifeste de la miséricorde. Eh bien, quand vous avez connu la souffrance, mon frère, ma sœur, c'est un signe que maintenant que tu as atteint un niveau où tu es bien, eh bien, sois habité par la miséricorde permanente. Souviens-toi des autres. Souviens-toi des autres. Souviens-toi des autres. Parce que tu as connu. Et ici, ce qui attire mon attention, c'est l'apôtre Paul. J'aimerais que nous puissions jeter l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, nous parle là-bas. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans une autre version, on dit ceci, puisque nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous vous exhortons à ne pas laisser la bonté de Dieu se gaspiller sur vous. Ne pas gaspiller la seconde chance. Quand Dieu t'en donne une, protège-la, utilise-la. Dieu a tout fait pour nous, mes frères et sœurs. Il a tout fait pour nous. Il a pardonné nos péchés. Il nous a accordé plus d'une seconde chance, plusieurs fois. Et alors, l'apôtre Paul avait beaucoup à dire à ce sujet, n'est-ce pas? Il a persécuté l'église du Seigneur. Souvent, il y revient. Il fait la liste. J'ai persécuté l'église. Quand on dit persécuter l'Église, en tout cas, les textes qui sont utilisés montrent qu'il a tué. C'est clair. Il a tué des chrétiens. Alors, pourquoi il les tue? Il les tue parce que ces chrétiens étaient à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur du peuple juif, mais ils adoraient un criminel. Ils adressaient des prières à un homme plutôt qu'à Dieu. À un criminel plutôt qu'à Dieu. Vous savez, la raison pour laquelle beaucoup de Juifs n'ont pas cru en Jésus, ce n'est pas tant parce qu'il est mort pour les péchés et qu'eux n'ont pas voulu croire, mais c'est parce que la mort avec laquelle Jésus est mort, c'est une mort pour criminel. Donc, ce qui fait que dès qu'on mentionne, dès qu'on dit, par exemple, que, vous savez, par exemple, chez les politiciens, on aime faire des attaques. Par exemple, quand on sait que tu as été condamné pour un délit quelconque, tu n'es même pas allé en prison, on t'a peut-être demandé juste une petite amende, mais tes ennemis politiques vont se servir de ça. Toi, tu veux diriger le peuple alors que tu as été condamné. Ils ne diront pas, tu as eu une petite condamnation. Ils diront seulement, tu as été condamné. Donc, le fait d'avoir été crucifié pour les Juifs n'était crucifié que des gens comme Barnabas, hein, des criminels de tous les jours. Donc, ce sont ces criminels-là qui ont été... Et le fait qu'on rappelait que Jésus est passé par la croix, pour eux, c'était la conclusion que Jésus n'est qu'un criminel. Alors, comment adresser des prières à un criminel? C'est très grave. C'est très grave. Est-ce qu'ils veulent devenir comme ces criminels? Et donc, c'est ça la situation dans laquelle s'est trouvé l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Et il s'est engagé parce qu'il était connaisseur de la loi. Donc, il savait qu'on ne peut pas adresser des prières à un être humain. Il s'est engagé à tuer. Avec la complicité des chefs religieux et de l'Empire. Donc, on te laisse faire du mal. Hein, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas répéter à cette époque, mais je pourrais vous dire que, je l'ai dit en deux mots, c'est pour dire jusqu'à quel point
la complicité du mal peut gagner un tel niveau que finalement on te laisse tuer justement. On te laisse assassiner justement. Et c'était ça la situation de l'apôtre Paul. Et voilà que maintenant il a obtenu la seconde chance. L'apôtre Paul, quand il obtient la seconde chance, il change de tout en tout. Il change, il se donne totalement à cette affaire. Quand nous lisons les textes dans lesquels il résume son attitude nouvelle, dans Actes chapitre 20, le verset 24, que dit l'Écriture? Actes chapitre... Le chapitre 20, verset 24, l'Écriture nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que j'accomplisse mon ministère avec joie. » Vous savez, mes frères et sœurs, il n'existe pas de fréquentation simple de l'Église. L'Église, c'est un lieu pour servir Dieu. Dans tout ce qu'on fait, on sert Dieu quand l'on prie pour soi-même et pour les autres. On sert Dieu lorsqu'on donne pour l'œuvre de Dieu. On sert Dieu lorsqu'on chante dans la chorale. On sert Dieu lorsqu'on nettoie les temples. On sert Dieu lorsqu'on arrange les chaises. On sert Dieu lorsqu'on arrange la sono. On sert Dieu lorsqu'on prêche l'évangile. On sert Dieu lorsqu'on fait quelque chose pour préparer un café, un thé pour le peuple de Dieu à la fin du culte, lorsqu'on distribue la banque alimentaire. Tout ce qu'on fait, désormais, on sert Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? D'accomplir ma mission avec joie. Amen. Parce qu'il était en train de gérer la nouvelle chance, la seconde chance. Et il dit même, quelque part, il dit, moi qui suis le dernier, l'avorton, il s'appelle même l'avorton, c'est-à-dire le dernier de ceux à qui on peut penser au sujet de Dieu. Parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. Donc pour lui, toute sa vie durant, il n'aura pas besoin qu'on le lui rappelle. C'est lui-même qui y revient tout le temps pour dire, moi, je n'ai pas ma place dans l'église du Seigneur. Je n'ai pas ma place là-bas. Mais le peu de place qu'il me reste, eh bien, je vais servir mon Dieu avec joie. Amen. C'est cela. Et comme je l'ai toujours dit, que le premier service qu'on donne à Dieu, c'est la présence. C'est la présence. Ça, c'était la situation au temple de Jérusalem. C'est pourquoi on a appelé le fait les jours du culte, comme dimanche à 10h, on a appelé ça dans la tradition de l'Église, la sainte convocation. Quand la police te convoque, est-ce que tu vas ou tu ne vas pas? Tu y vas. Mais une sainte convocation est supérieure à une convocation de la police. C'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre que servir Dieu, mes frères et sœurs, on ne vous demande pas de devenir des visiteurs des églises, de toutes les églises. Faire les tournées de toutes les églises. Choisissez-en une et soyez stable, parce que l'église s'appelle corps de Christ. Et parce que c'est un corps, on ne voit pas des membres d'un corps se trimballer à l'est quand le corps est à l'ouest. Ils sont ensemble, un corps reste ensemble, sauf accident. Quand tu es attaqué par un obus, on peut retrouver ta main loin de ton corps. Mais aussi longtemps que tu es entier, il faut que tu sois stable dans le corps. Mes frères et sœurs, je peux vous dire que je crois à l'Église avec racine. C'est tout un livre que notre frère Johan Lucas, le pasteur Johan Lucas, le pasteur hollandais, a diffusé l'Église avec racine. L'Église avec racine veut dire une Église qui a une longue histoire, pas seulement une longue histoire, mais qui a survécu à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de circonstances.
Je crois que chacun de nous a un caractère. Il y a certains d'entre nous qui ont la liberté de parler devant la foule. Et il y en a d'autres qui ne peuvent parler devant la foule que sous l'onction. Parce que ce n'est pas leur habitude de parler devant beaucoup de gens. Eh bien, je crois que vous avez compris que la jeune femme qui a rendu témoignage ici avait une liberté inhabituelle. Cela veut dire qu'en ayant passé par toutes sortes de preuves, une grâce s'est libérée dans son esprit. Et sa manière d'agir change totalement. Et ça, nous le trouvons à l'Église. C'est la raison pour laquelle moi, je crois vraiment, sincèrement, qu'ici, à la rue du Gaz, numéro 83, il se passe de bonnes choses. C'est un lieu où on peut venir prier. C'est un lieu où on peut venir communier avec son Dieu. C'est un lieu où on peut croître spirituellement. Parce que la parole, nous la partageons. Et tout ce qui est fait avec honnêteté, avec sincérité, avec désir de plaire à Dieu. Je vois les chants que nous chantons, mes frères et sœurs. Tu vois toi-même, dans ton cœur et dans ton esprit, que vraiment on est en train de glorifier Dieu ici. On chante à Dieu. On ne joue pas aux stars. On ne jongle pas avec des stars. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tombés dans les stars. Je sais pas si c'est startisme. Au fait, donc, quand ils arrivent, ce qui les intéresse, c'est le brouhaha. C'est l'appréciation, la haute appréciation de ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils tombent là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Mais je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui a même été chassé du ciel à cause de ça. Il s'appelle Lucifer. Il a été chassé du ciel parce qu'il voulait prendre... Vous savez que l'élévation est insatiable. Quand tu commences à t'élever par orgueil, tu ne vas pas t'arrêter à la simple appréciation que les gens ont sur toi. Tu voudras plus. Tu voudras plus. Et tôt ou tard, tu voudras aller demander à Dieu, est-ce que ton trône, il n'y a pas un petit coin où je peux m'asseoir? Comme ça, nous partageons un peu le ciel avec toi. Donc, bien-aimés, nous nous établissons et nous nous installons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ajoutons un dernier verset, c'est le verset 31. Toujours dans Acte 20. Le verset 31 dit ceci. Veillez donc, vous souvenez que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Veillez donc, mes frères et sœurs, pour avoir vécu toutes sortes d'expériences un peu tristes dans certains cas de figure, je me suis rendu compte que parfois nous prêchons dans le vide. Parfois nous prêchons dans le vide, en sorte que la parole qu'on donne, on se demande si elle a été reçue et si elle a été consommée pour produire des effets comme nous avons entendu dans les témoignages. Qu'une telle parole nous a été donnée, sur les champs, je n'ai pas vite compris. Cela veut dire qu'il y a des moments où revenir sur la parole. Heureusement, nous avons des supports maintenant. Des supports imagés, des supports audio, et nous pouvons revenir sur ces paroles. Hein? Si moi qui prêche, je reviens 1, 2, voire 3 fois sur la prédication après avoir terminé, combien plus ceux qui ont écouté? Hein? Combien plus? Vous savez qu'il y a parfois des témoignages qui nous viennent de loin, du Canada, pour quelqu'un qui n'était même pas avec nous dans les cultes et qui a entendu la parole sur les réseaux sociaux et qui revient pour rendre témoignage. J'ai été édifié. Il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un de Genève qui m'a contacté pour dire « Je fréquente une église protestante ». Une église protestante où on ne croit pas trop aux histoires des miracles. Pour eux, les miracles sont terminés depuis longtemps. Mais c'est toi, au travers de tes enseignements, qui m'a ramené à l'idée que le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre continue à faire les choses parce qu'il est demeuré le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui m'as aidé. Alors si les gens qui ne viennent même pas avec nous peuvent être aidés, à combien plus forte raison? Nous qui sommes là, nous devons être solides. Amen. Solides à consommer la parole que Dieu nous donne. Paul donc explique son attitude dans la gestion de la seconde chance.
soit un homme, une femme. Vous êtes passé par des épreuves de toutes sortes, par des privations de toutes sortes, par des situations compliquées, peut-être même au niveau de la santé, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau relationnel, quelles que soient les situations. Cette église a connu beaucoup d'épreuves. Mais maintenant que nous sommes dans la nouvelle chance, dans la seconde chance, nous devons travailler avec beaucoup de paix, avec beaucoup de prudence. Nous devons manier les frères et les sœurs qui viennent avec nous, avec tact, avec prudence, avec des gants. Garder chaque relation. Ne négligez personne, car nous ne savons pas la valeur des hommes. Il n'y a que Dieu qui connaît la valeur des hommes. Nous accueillons chaque homme, chaque femme, avec valeur, parce que nous sommes ici, nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes chez Dieu. Nous ne sommes pas dans une tribu. Nous ne sommes pas dans un pays. Nous sommes chez Dieu, dans le royaume des cieux. Et à cause de cela, nous prenons au sérieux la grâce qui nous est faite de poursuivre le ministère. Alléluia. Et surtout d'être attentif à Dieu. L'écouter régulièrement. L'écouter régulièrement. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions que Dieu t'a données. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a donné une nouvelle naissance. Même la nouvelle naissance. Dieu te l'a donné. Dieu t'a donné cela. À une époque donnée, tu étais malade et les médecins t'ont fait croire que pour toi c'est terminé. Moi, j'en fais partie. J'ai déjà eu à sortir du cabinet de médecins avec dans la tête, il te reste 6 mois à vivre. C'est en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2024. Dieu est vivant. Il peut modifier les attentes des spécialistes. Mais quand tu vis, après tout ça, eh bien, gère la seconde chance avec le Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans la persévérance, dans la foi. Alléluia. Dans la foi et dans le zèle que donne l'évangile de paix. Vous êtes précieux pour l'EIB. Vous êtes précieux pour cette maison. Même si vous venez pour la première fois, vous êtes déjà précieux. Et nous souhaitons de tout notre cœur que Dieu n'aille pas à boucher des trous, mais plutôt à ajouter à tous ceux qui sont déjà là. Qu'on ne puisse pas être comme des hommes et des femmes qui avancent et qui reculent, qui avancent d'un pas et qui reculent 2 pas, qui avancent d'un pas et qui reculent 2 pas. Non, il faut que nous soyons fidèles à notre Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies à ton peuple parce que tu lui veux une seconde chance, parce que tu es un Dieu de la seconde chance. Quand tu t'appelles un Dieu de miséricorde, c'est exactement ça la seconde chance. Alors nous te prions maintenant, Seigneur, que ta parole est arrivée dans nos cœurs, de la concrétiser par des victoires, de la concrétiser par des sujets de joie, d'édification, comme nous avons entendu dans les témoignages. Père, nous te prions que tu fasses de cette maison de prière une maison de prière pour tous les peuples, où les hommes et les femmes qui viennent et qui s'assemblent ensemble avec nous tous sont des hommes et des femmes conscients que tu leur as fait un grand bien. Seigneur, nous avons découvert que la seconde chance est pour moi, mais aussi pour les autres. Tu es un Dieu bon pour les autres. Seigneur, c'est fini, les ennemis. On n'a pas d'ennemis dans les royaumes des cieux. Ceux qui ne sont pas encore en communion avec nous, nous prions pour eux, afin qu'un jour, par ta grâce, qui agit sur eux et sur nous, nous puissions être en communion les uns avec les autres dans la victoire. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu feras. Maintenant, je te prie pour ceux qui passent par des tempêtes. Parce que tu connais toutes les choses. Et tu sais quelles sont les tempêtes qui prévalent dans certains cœurs. Des tempêtes qu'on ne connaît pas. Des tempêtes, pour l'instant, qui ne sont pas encore très fortes, très dangereuses. Alors nous te prions, notre Dieu, pour que tu interviennes. Afin que l'apaisement. Ta main n'a pas changé d'effet. Un jour, il y avait la tempête sur la mer de la Galilée.
Mais quand tu as tendu ta main, eh bien, les tempêtes se sont affaissées. Les tempêtes ont disparu. Eh bien, Seigneur notre Dieu, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, qui pouvons passer par des tempêtes maintenant, afin que tu étendes encore ta main maintenant. Et que ces tempêtes se dissipent par des solutions inattendues. Par des solutions qui pleuvent comme une pluie. Par des solutions et des bénédictions que tu envoies et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Merci Seigneur d'intervenir. Je vois Seigneur dans ta grâce tout ce dont nous avons besoin. Les déceptions du cœur, les déceptions au fond du cœur sont là cachées, mais elles ne sont pas cachées devant toi. Je te prie Seigneur d'étendre ta main et de poser sur chaque cœur à cet instant pour que le fardeau qui prévaut dans le cœur, le fardeau destructeur qui prévaut dans le cœur, soit à cet instant même retiré. Retiré. Le poids qui est sur les épaules, qu'il soit retiré par le haut et retiré et jeté loin de ta fille. Au nom puissant de Jésus. Que ta force se manifeste maintenant en faveur de ton peuple et que nous puissions faire l'expérience de la victoire qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen et amen. Gloire à Dieu.